c'était dur, mais bon, ça va, c'est toujours particulier. Surtout quand tu es transplanté, voilà, il faut pas prendre de risques. Dès que tu as de la température, il faut pouvoir contrôler. Donc, ça a été contrôlé, et RAS. En fait, j'ai eu une grippe, j'ai eu du mal à me soigner. Il y a des médicaments que je peux pas prendre, notamment paracétamol. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais, faire le grand, même si je sais que c'est pas autorisé. Enfin, c'est pas autorisé. Ça dépend des doses. Mais après, voilà, c'était. Enfin, le médecin a pris la meilleure solution, c'est-à-dire au-dessus de 39, hospitalisé, pour savoir d'où exactement ça venait. Bah, j'étais content parce que ça avait rien à voir avec le foie. Voilà, après, il te donne ce qu'il faut, antibiotiques, et en 2 jours, ça va plus vite. Ah, moi, j'ai envie de continuer. Je sais que le club, le président, a énormément de confiance en moi. Mais bon, pour moi, l'objectif, c'est d'abord l'équipe, essayer d'atteindre des objectifs. Après, un objectif personnel, c'est de pouvoir aller au mondial, et puis après, on aura le temps de voir. Pour être honnête, j'ai eu un discours, moi, avec le sélectionneur. Voilà, j'ai toujours dit que j'étais pas un tricheur, et à partir du moment où tu n'y es pas, il faut pouvoir être assez intelligent pour avoir un discours et surtout pas pénaliser l'équipe. Ouais, il a simplement apprécié ma franchise. Après, voilà, c'est un discours qui reste entre le sélectionneur et son joueur. Maintenant, voilà, ça ne tient qu'à moi. Les qualités, on peut les avoir. Après, faire des faux pas aussi. Mais essayer de faire passer ça pour un accident, ça se démontre seulement sur le terrain. Donc voilà, à moi de me remettre au boulot pour pouvoir espérer être dans le groupe des 23 pour le mondial.